Bonjour les amis, c'est Mitrap Nomad de Nintendo Alert Station of Play et aujourd'hui je vous propose une solution pour trouver l'armure Barba. Alors je vais vous montrer sur la map la première localisation. Donc j'ai mis un marqueur, il faudra se rendre dans une grotte. Alors on va mettre une tenue plus décente. Allez, c'est parti. Donc, on va rentrer dans cette grotte. Alors, moi, au préalable, j'ai déjà nettoyé la zone parce qu'il y a quand même pas mal de mobs. Donc, je préfère vous préciser. C'est pas aussi clean quand vous arrivez. Donc ici, infiltrer. Et voilà, le coffre se trouve juste ici. Donc il faut des gilets, évidemment. Et donc voilà, on a la culotte barbare. Allez, on va enchaîner avec les deux autres coffres. Go sur la map. Je vais placer vos marqueurs hein, et c'est parti. Donc ça, ce sera le deuxième coffre. La tenue barbare, c'est la même que celle du dieu démon. Hein. Ça booste l'attaque et endurance en coup, les coups chargés. Allez, let's go. Vous remontrerez une fois arrivé l'endroit exact sur la map. Pas le plus près du point de TP, mais bon. J'ai vu le Korogu, mais... Pour plus tard. Il y a tellement de distractions dans Tears of the Kingdom. On y est presque. Donc on arrive à la grotte. J'étais persuadée que ce serait comme dans Breath of the Wild, que ce serait dans les labyrinthes, mais pas du tout.
faut que je vous remontre. Ça se trouve ici. On entre. Pareil, hein. Donc là, vous lisez l'inscription. Ça vous dit qu'un trésor vous attend au bout du sentier indiqué par statue de pierre. Il y a pas mal d'ennemis. Moi, je les écline avant. Vous voyez, bon, ça sent les statues. Progresse. Il vous faudra soit utiliser des bombes, soit le pouvoir de Yunobo pour casser des pierres. Là, pareil, hein, il va falloir casser ces pierres-là. On voit que le coffre se trouve derrière cette grille. Il est là. On va sauter là dans le trou. On progresse encore. On va arriver jusqu'aux statues et vous allez choisir la première, celle où il y a trois statues. On s'infiltre. Hop, et le coffre se trouve ici. On va aller récupérer la deuxième pièce du set, c'est le casque. Allez, c'est parti pour la troisième et dernière pièce. Hop, qui va se trouver. Oh, j'ai mis la balise. Je vous montrerai une fois sur place, pareil, hein, exactement en endroit pour que vous puissiez placer votre balise. De la grotte. Et la voici. Donc je monte sur la map. N'hésitez pas à placer vos balises, vos marqueurs. Et on y va. Là, pareil, il y a un Litoroc dont je me suis déjà débarrassée. Et ici, il y aura des rochers noirs et bleus comme cela qu'il faudra casser avec une bombe. Et on va chercher le dernier coffre. On va l'équiper et ensuite on va aller à la grande fée voir si j'arrive à faire des améliorations. Parce que comme je le dis souvent, c'est bien d'avoir l'armure, mais c'est quand même beaucoup mieux d'avoir les améliorations. Donc si je n'arrive pas à avoir toutes les améliorations, je vais bosser là-dessus pour la monter niveau 4. Allez, un tour à la grande fée.
que j'avais tellement l'habitude de faire, je sais, uniquement la grande fée qui avait Cocorico, je trouvais qu'elle était hyper simple à atteindre. Je faisais que celle-là. Allez. Elle est très entreprenante, cette fée. Allez, on va voir. Donc, alors là, ça demande des fleurs lames. Bon, ça, c'est pas le plus difficile à trouver, hein. Poste d'attaque, normal. C'est la tenue. On voit déjà qu'il me manque pour le niveau 2. Alors, il me manque ouais, des cornes de Linel. Alors, le souci vraiment que moi je rencontre là, c'est que j'ai. Alors, faut que je check ma map. J'ai énormément de Linel argent. J'espère vraiment que c'est pas. J'ai trop avancé dans le jeu. On verra bien. Enfin, voilà. Donc, notez vous-même. Hein, faites des Linel hein, si vous pouvez le faire. Moi, je vais aller farmer. Si cette vidéo a pu vous aider, bah, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Bye bye les amis.